une explosion a eu lieu en Crimée occupée, détruisant le système de défense aérienne russe S-400 Triumph. C'est ce que rapporte la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. L'agence précise que l'explosion a détruit le lanceur ainsi que les missiles et le personnel. La frappe sur le S-400 Triumph a été effectuée le 23 août 2023 vers 10h du matin. Ce qui est intéressant, c'est que le système de missiles solaires n'a pas pu faire face au drone qui a réussi à filmer l'explosion. La valeur à l'exportation de la division S-400 Triumph, qui se compose de 4 véhicules, dépasse le milliard de dollars. Le système de missiles sol-air peut abattre des avions, des hélicoptères, des drones et des missiles à une distance pouvant atteindre 400 km. La portée à haute altitude est de 35 km. La station radar, qui fait partie du complexe, a une portée de 600 km.